Ça va? Oui, ça va. Ça va. J'arrive. Bon, j'y vais. Ok. À ce soir. À ce soir, bonne journée. Toi aussi. Sophie, tu es là? Tu as besoin d'aide? Sophie? Oui, excuse-moi, j'étais en train de ranger. Ben, je vois, mais tu as besoin d'aide? Non, non, ça va. Ben, d'accord, je vois ça. Hein. Tu as besoin d'aide? Non, non, ça va, merci. D'accord. Lâche! Lâche! Tu sais, Sophie, si ça va pas, je crois que tu peux quand même en parler à quelqu'un. Mais ça va, je crois. Ça va pas. Je crois vraiment que ça te ferait du bien. C'est vrai que des fois, je me sens un peu bizarre en ce moment. Entrez. Bonjour, docteur. Bonjour, Sophie. Installez-vous. Je suis le docteur Léon. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Alors voilà. Mon mari m'a dit qu'il fallait que je vienne vous consulter. Bon, j'y vais. Ça va aller, le boulot? Oh, oui, ça ouais, va, c'est bon. Ah oui, j'y vais, oui. Bon, ben, ce soir. Hein. À ce soir. Salut! Ça va? Je suis désolée, hein, je suis un petit peu en retard. Alors. Oh là là, le courrier! Mais Sophie, t'es à l'ouest? Quoi? Bah, tu rentres, la fleur au fusil, ça fait plus d'une semaine que t'es pas venue bosser. Ouais, pas un appel. Pas bien. Si j'ai appelé. Non, t'as pas appelé, Sophie. Je te dis que non, tu oh, n'as pas appelé. Je t'ai appelé. Tu veux voir tes absences, regarde. Ah, je suis désolée, franchement, je suis désolée. Non, ça allait vraiment pas bien. T'as pas à être désolée, on n'en est plus là, Sophie. Bah. Non, je sors de réunion avec Monsieur Brion. Tu sais ce que je suis en train oh, de t'appeler je là, t'as là Monsieur Brion. Tu es licenciée, Sophie. Tu es mise à pied. Sophie. Donc tu prends tes affaires et tu t'en vas, tu rentres chez toi. C'est plus possible. Vous allez voir, ça va vous manquer. Peut-être pas, non. Sophie, suite à nos échanges, j'ai conclu que vous étiez atteinte de bipolarité. En effet, j'ai pu constater, bon, vous me l'avez dit, hein, que vous aviez des phases un peu dépressives. Vous avez un sentiment de tristesse au quotidien, constant,
une fatigue qui vous envahit, vos troubles du sommeil, et puis, bah, vous l'avez souligné, hein, votre manque de concentration. Bon, pour la deuxième phase, j'ai pu constater surtout une forte désattractivité. Comme vous me l'avez dit, vos plaisirs deviennent totalement excessifs, et lors de vos investissements financiers, vous prenez quand même des risques inconsidérés. Vous êtes également atteinte d'idées délirantes. Et là, on va quand même avoir de gros problèmes, Sophie. Se poursuivent ces prochaines 24 heures, notamment ce soir, cette nuit et demain, du côté plutôt du Var et des Bouches-du-Rhône, où là on attend eh bien, l'équivalent d'un mois de pluie en moins de 24 heures. Soyez donc vigilants. Ça va, elle est pas mal la meuf de la météo. Mais quoi, je regarde la météo? J'ai quand même le droit de regarder la météo. Ouais, c'est ça, tu regardes la météo. Ouais. Moi je dirais plutôt que tu regardes une super jolie fille qui, elle au moins, elle est pas malade comme ta tarée de femme, c'est ça? N'importe quoi, je regarde la météo. Arrête de mentir, je sais bien que tu me regardes plus, tu m'aimes plus. Mais plus, mais moi j'en ai pas envie. Tu me casses les couilles, j'en veux plus de toi. Et oui, t'es taré, t'as raison. T'es complètement taré, j'en ai marre. J'en ai marre. Sophie! Allô? Bonjour Sophie. C'est pas vraiment bien. Vous allez bien? Ça va? Ah non, Sophie! Non! Non! Non Sophie! So long to all my friends,
every one of them met tragic ends. With every passing day, I'd be lying if I didn't say that I miss them all tonight. And if they only knew what I would say, if I could be with you tonight, I would sing you to sleep, never let them take the light.